Ouais, monsieur. Mais t'es qui, toi? Je veux juste rentrer chez moi. T'as mieux depuis hier soir? T'es qui toi? Bah tu te souviens pas de moi? J'étais dans ton taxi hier. Non, c'est n'importe quoi. Attends, s'il te plaît, écoute-moi. Depuis hier, j'apparais que dans des miroirs. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pourquoi tu m'emmerdes moi? Mais y'a que toi qui me vois dans des reflets, mec. Je crois que je suis mort. Écoute, c'est pas mon problème. Vraiment, démerde-toi. Le prends pas comme ça, s'il te plaît. Et sans transition maintenant, parlons du passage de la comète Edsky qui fut admiré par un très grand nombre de personnes. En effet, l'événement était exceptionnel puisque le dernier datait de 2005. La ville de Barth fut la mieux placée pour admirer le passage de la comète, mais l'événement fut entaché par la découverte du cadavre d'un jeune homme au bord de la route. En effet, c'est environ vers 3h du matin que la police a découvert le cadavre du jeune Hugo Mallard, percuté par un automobiliste, toujours recherché par les forces de l'ordre. Tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah alors je sais pas, j'imagine qu'il faut que je fasse quelque chose pour passer de l'autre côté. Attends, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé avant que t'arrives là? Non, je me souviens de rien, mais tout ce que je sais c'est que depuis je peux parler qu'à toi, et il y a que toi qui me vois, et que dans les reflets de miroir. Bon, c'est quoi le plan? Tu dois avoir des rêves, des regrets, des passions, je sais pas. Bah je sais pas, il y a bien un truc auquel je pense, parce que comme j'étais tout seul je pouvais pas le finir en fait. Quoi? Bah je cache un télescope dans ma cabane, du coup j'aimerais bien le réparer. Bah voilà, c'est bien ça le télescope. On répare tous les deux le télescope, et après tu pourras t'en aller, et tu me laisseras tranquille. Faudrait que t'essayes de finir avant ce soir, parce que si le ciel est dégagé, ça peut être trop bien. Ouais, je fais ce que je peux moi. Tu sais que si tu décales la lentille d'un millimètre, on verra même pas la lune. Bon, t'es sûr que tu regardes le mode emploi là? Je comprends pas qu'on puisse être passionné par un truc comme ça. Tu prends une photo de la lune, c'est pareil, non? Ça change pas. Hein. Mais non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. T'es fou, quoi. Ouais, enfin, moi je dis juste que t'aurais pu te faire aider par quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Bah, je sais pas, je connais pas beaucoup de gens. Bah, y'a pas un club d'astéroïdes dans ton lycée? Bah, non. Ça aussi, c'est trop un rêve. J'aimerais trop aller dans l'espace. Ça va être trop bien. Ouais, enfin, on va déjà essayer de voir la lune nette, après on verra. T'es sûr que tu regardes le mode d'emploi, là? Mais oui, mais faut que tu tournes la page, là. C'est facile quand on est caché derrière un miroir. Oui, mais c'est facile de conduire bourré aussi. Tu sais que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Bon. Tu sais comment tu vas regarder là-dedans? Bah je sais pas, c'est des miroirs non, un télescope? Je me dis que c'est possible. Pourquoi, t'as déjà fini? J'ai bien l'impression, ouais. Qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Bah, j'ai regardé la lune toute la nuit. Mais justement, c'était ton rêve, tu devrais être parti maintenant, non? Oui, mais j'ai réfléchi pendant la nuit et je me suis dit qu'il y a plein d'autres trucs que j'aimerais faire, tu vois. Comme de la montgolfière. Je m'en fous de ta montgolfière, putain, mais. On a réparé ton télescope, maintenant tu devrais être parti, arrête de me pourrir la vie. Oh non, le parapente, ça doit être trop bien. Mais non, pas le parapente, mais tu vas pas rester dans mes miroirs toute ta vie. Mais tu fais chier, merde!
T'es encore là? Mais pars-toi, putain, arrête de me suivre! Laisse-moi tranquille, mais t'as pas compris? C'est moi qui t'ai renversé l'autre soir! C'est à cause de moi si t'es bloqué dans le miroir! T'auras beau trouver n'importe quel rêve ou n'importe quel truc à faire, ça changera rien! Ce qui te manque, c'est que je te dise la vérité! Et la vérité, c'est que je t'ai tué! Mais je savais ça! Quoi? Bah, t'es le seul qui me voit, et puis c'est avec toi que je parle depuis le début, et puis ça a commencé dans ta voiture. Non, je pense pas que j'avais besoin de ça. Mais arrête! C'est ça qu'il te faut! Maintenant, passe de l'autre côté et laisse-moi tranquille! Laisse-moi tranquille! Barre-toi! Barre-toi!